Salut la gang, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est un vlog vraiment excitant, même si Marie, elle arrête pas de chialer depuis le début de la journée. Non. Moi depuis tantôt j'essaie d'avancer du stock, puis à chaque fois que je m'assois, Kevin me dit « Oh, viens m'aider avec ça ». Je voulais qu'elle m'aide pour un enfant en particulier, le sapin de Noël, donc c'est les préparatifs des fêtes. On est quoi aujourd'hui, le 8 novembre je pense, pas super, je pense que c'est une bonne date pour décorer pour Noël, ça a déjà été pire, ça a déjà été plus tôt. À la part je pense pas, mais quand j'étais plus jeune, des fois ça pouvait tourner autour du 1er novembre. Fait que voilà, là on vlog tout ça, c'est ce soir qu'on installe les décos de Noël. Donc on a le sapin de Noël, on dirait vraiment un cadavre. Il y a une madame qui devait ouvrir la porte tantôt quand on est allé chercher dans mon char, puis elle était comme, j'espère que c'est pas un mort qu'il y a là-dedans. J'étais comme, non, je voudrais ça madame. Ouais, c'est ça, je voudrais ça madame, c'est un sapin de Noël. Alors on va le mettre là. Fuck that shit. Bon, essaie donc de voir. Yeah! Tiens! Hey! Ça marche! Yeah! What's up, people? On espère que ça va bien. On est maintenant au moment le plus excitant de la soirée. Regardez ça, le Christmas tree à l'arrière. On décore maintenant pour Noël. Fait qu'on va se mettre la petite musique de Noël. Je vais vous montrer ce que j'ai comme déco Noël. Donc, on a un bonhomme de neige issu. Frédéric, c'est joyeux à nous. Mais ici, ça, c'est toutes les décos. Fait que là, on a mis l'arbre de Noël, comme je vous ai montré tantôt. Il est trop beau, mais il manque un petit peu de... Tu peux amener un peu le fluff là, parce qu'il y a un peu de la misère, mais c'est pas si pire. Là-dedans, ça, je pense que c'est toutes les doudous. Je pense qu'on va commencer par ça. Les déco, fait que very exciting. Est-ce que t'es excité, Fred? Oui. T'es combien sur 100? 100. Ben, ça paraît pas. 90 d'abord. Dis-le à ta face, elle a excité. Yeah! Bon, il y a ce coussin-là. Là, je me souviens pas ce que j'ai. Ah, oh, il est beau, lui, c'est vrai. Un gros coussin de même. Lui, je l'adore. Trop mignon. Le listin! The routines go there. Faut savoir qu'il y a comme une thématique, ok? À la partie, c'est comme blanc, rouge, puis un petit peu bois. Ça, j'avais acheté ça il y a une couple d'années, c'est ce coussin-là. Noël en gris. Je vous dirais que je regrette un peu mon achat de gris, mais bon, on l'aime quand même, là, c'est pas super. La doudou, trop belle! T'es super douce en plus. Je l'adore. Salut la gang, c'était moi au montage, puis il y a comme eu une petite coupure dans le vlog parce que dans le fond j'ai dû mettre les clips un petit peu plus avant dans le vlog parce que c'est un vlog en collaboration avec une marque. Enfin, bref, dans mon contrat je devais le mettre un petit peu plus à l'avant, puis j'avais comme un petit peu oublié. Fait que là j'ai comme rebooté deux bouts de vlog. Un bout que moi je me préparais à un party avec une de mes amies, puis je parle de la marque avec qui j'ai collaboré, puis un bout un petit peu plus tard dans le vlog. Fait que là vous allez voir que j'ai comme parlé deux fois de la marque, mais finalement je l'ai mis comme à la même place. Bref, fait que c'est un peu décousu le placement de produit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis vous allez voir aussi, des fois je suis comme habillé pareil plus loin parce que j'avais comme filmé plus tard, mais là c'est comme plus tôt finalement dans le montage et tout ça. Fait voilà, j'espère que c'est clair. Sur ce, on retourne au programme de la vidéo. Fait voilà. Ok, bye. Hey guys! On est allé mauve jusqu'à la make-up. Yes, fait que on est tout prêt. Là, je vais mettre mon parfum. Je vais vous parler de cette marque-là que je vous ai déjà parlé, la marque Dossier. Ils sont en collaboration avec cette vidéo-ci. Fait que j'ai un beau partenariat avec eux pour les trois prochains mois. Fait que je vais vous partager une couple de fois dans les trois prochains mois mes fragrances préf. Fait que check comment ça va. J'ai déjà eu lui. Oh my god, ça me fait vivre. Mais là, j'hésite en soi lui ou lui. Bon, je l'aime bien lui. Oh! Ouais, je pense lui. Attends. Lui est comme plus frais. Non, ça fait bord. Tu trouves? 100% bord. Tu trouves que c'est moins bord? Non, bon, je vais aller avec la recommandation de lait. Fait que j'y sens avec le Aquatic Lime, comme ça ici. On les aime Dossier, ouais, c'est le bobby. J'adore les Dossier. Puis sinon, le Embery Mint. Puis ce qui est vraiment cool dans Dossier, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils recréent des odeurs de genre des années de genre parfum super cher. En mode dupe. Ouais, dupe, genre dupe par excellence. Puis ils font vraiment pas cher. Genre, mettons, le Aquatic Lime, c'est le dupe du Giorgio Armani. Le Aqua di Gio de Giorgio Armani. Moi, je l'ai déjà eu back in the days. Puis je pense qu'il coûte genre 150$. Puis lui, il est genre 40$.
pense même pas. Puis pour vrai, genre. Ça sent tellement bon. Je trouve vraiment que les emballages sont full nice aussi avec l'aimant. Fait que j'en ai reçu une couple. Fait que voilà. Lui, je l'ai déjà eu dossier ce parfum de cut là. Puis je l'aimais trop. Fait que je l'ai repris. Puis moi, j'en mets bien. J'en mets beaucoup parce que je me dis qu'il faut en mettre beaucoup. Parce que je savais pas. Puis là, j'ai juste reçu un courriel qui me mentionnait ça. Mais ils ont leur gros rabais du Black Friday en ce moment qui s'en va jusqu'à 55% de rabais. Fait que c'est vraiment pas cher. Déjà que les parfums sont vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Genre ça, je pense que je vous l'ai dit, c'est comme une trentaine, quarantaine, cinquantaine de dollars maximum. Puis ça, c'est le Woody Tobacco que j'aime vraiment beaucoup. C'est un odeur unisex. Fait qu'il est inspiré par la maison Margiela. Je sais pas trop si vous connaissez, mais c'est une compagnie vraiment connue en parfum. Puis c'est ça. Moi, j'avais jamais essayé de parfum unisex. J'avais peur que ça soit comme, genre, ça sente comme trop la femme, tu sais. Mais finalement, vraiment pas. Il sent vraiment bon. Quand même, je sais pas comment le dire, mais ça sent bon. En ce moment, mettons, le parfum initialement, il est à 59$ parce que le prix au détail du vrai, en fait, là, il est 202$. Puis en ce moment, avec le Black Friday, il est à 41$. Fait que ça vaut vraiment la peine, la gueule. Bon matin tout le monde, on est bon le lendemain matin, on a décoré pour Noël hier comme vous avez vu. Fait que je vais vous montrer vite vite un petit peu l'appart en mode Noël. Et là il y a M qui s'en vient dans pas long. En fait je sais comme pas trop si cette vidéo là va avoir l'air de quoi. Parce qu'en fait c'est maintenant on show toute la collection de Noël de Café Balade. Fait qu'il est comme en estrie pis tout. Hier on est allé sur la Wellington, la rue Wellington nous à Sherbrooke là. Puis on a donné des cadeaux à des abonnés pis tout, on a fait du contenu là-bas. Puis là aujourd'hui c'est comme plus le shooting de contenu pis de mise en contexte et tout. Fait que on va commencer à mon appart parce que moi j'ai décoré pour Noël, fait que c'est quand même cute. Fait que tu devrais s'en venir dans pas trop long. M, là je vais faire mon petit café glacé du matin. Hey, j'en ai tellement de ce petit vibe là pis ce matin il neige. Fait que c'est vraiment cute, je vais vous montrer. Et voilà, je trouve que mon appartement est tout le temps beau, genre le soir que le jour pour Noël. Fait que vous voyez globalement là c'est le même déco que l'année passée. Puis là il neige, puis il neige quand même beaucoup là, honnêtement là. Genre je sais pas si on va bien voir, mais il neige quand même beaucoup. Fait que ça va, j'espère que ça va comme rester pour les photos, ça va être magnifique. Fait que c'est ça. Là je vais juste vous montrer globalement un petit peu les décos. Fait que il y a le sapin. Mon sapin, c'est pour ceux qui étaient là l'année passée, vous le savez là, mais c'est l'ancien qui était chez mes parents avant, puis ils me l'ont donné. Je l'aime vraiment beaucoup là. Vous allez voir, j'ai dit hier, mais comme le thème des décos, c'est comme plus rouge et blanc. J'aime vraiment ça, puis genre des ornements que j'aime beaucoup là. Comme, ouais, Marie, on a chacun un petit tricot comme ça. Moi, j'ai un ornement ici que j'avais acheté à New York. Il y en a un que j'ai acheté juste ici au Mexique quand j'étais avec ma grand-mère. Ici quand j'allais en Grèce. Sinon, il y en a un autre ici avec ma meilleure amie Meg quand j'allais à Charlevoix. Ça, j'aime ça ramener genre des petits souvenirs. Ça, c'est genre une boule de Noël Swarovski. Fait bref. Comme ça ici. Sinon ici aussi je trouve ça vraiment cute. J'ai cette jetée là que j'adore vraiment beaucoup. J'ai pris au Winners l'année passée. Je l'ai pas revu cette année, mais il y en a quand même qui ressemblent là, comme ça, rouge et blanc. Puis Maria elle a comme emballé certains cadres comme ça avec de l'emballage cadeau. Je trouve ça vraiment beau. T'sais, au lieu d'acheter genre des cadres de Noël, on fait juste genre les emballer. Fait que c'est pas mal ça. Puis là vous voyez globalement un petit peu ben la part pis tout. Tout ça c'est genre des trucs pour le shooting de tantôt. Comme ça. Et puis ma chambre aussi qui est vraiment cute je trouve. Fait qu'avec la jetée comme ça. Puis l'année passée j'avais pas. Je me souviens plus si j'avais mon couvre-lit comme ça. Ouais, je pense que j'avais mon verre, mais je trouve ça beau là. Je trouve que ça avait vraiment festif. Fait que voilà, globalement, un petit peu les décos de Noël de cette année. Fait que c'est ça. Le plan de la journée, ça va être de shooter le contenu. Fait qu'on va commencer ici. Je pense qu'on va aller chez les parents M qui habitent à Alford. Fait qu'à peu près à genre 20-30 minutes d'ici tantôt. Puis on va aller sûrement à l'extérieur shooter un petit peu de contenu. On a tout un plan de contenu de près. J'aime vraiment ça faire ça pour vrai. Là. C'est genre dans mes tâches préférées. Bon, là, vous m'excuserez la fucking lumière qui a un peu flashé. Hier, j'allais au Nespresso. Puis je me suis acheté des nouveaux coupes de café. J'en avais plus pantoute. Fait que j'ai acheté genre mes presses qui sont les Bianco de Pio. Comme ça. 80 ml, moi je trouve que c'est les best. Puis j'ai aussi acheté les Double Espresso comme ça de Noël. Les Festive Black Double Espresso. Fait comme ça avec l'emballage de Noël, je le trouve vraiment cute. Je trouve que le temps des fêtes puis de décorer pour Noël, ça me rappelle vraiment comme j'allais dire l'ancien YouTube. Pas tant l'ancien YouTube, hey, c'est fatigant ça là. Mais genre dans le temps où est-ce que tu sais, j'avais comme pas un million d'autres plateformes à filmer. Tu sais, j'avais juste genre ma chaîne YouTube. Fait que c'est ça, on dirait que c'est ainsi. C'est pas que je mets moins d'efforts sur YouTube, mais je publie un petit peu moins. Puis ça m'a amené à un point aussi que je me suis fait demander un petit peu. Puis je me suis dit que j'allais l'aborder aussi. Par rapport au Vlogmas, malheureusement, je ne ferai pas le Vlogmas cette année. L'année passée, j'avais dit que je le ferais pas. Puis finalement, j'ai comme décidé de le faire un petit peu. Mais j'avais comme fait genre 9 vidéos. Mais cette année, c'est sûr que je le ferai pas. Pour une raison assez simple, juste que j'ai pas le temps de filmer comme ça autant que ça sur YouTube. Si j'arrive comme pas le temps de faire autant de vidéos. L'année passée, je voulais faire d'autres vidéos. J'en ai fait 9 finalement. Puis j'étais vraiment fier de moi. Mais comment avoir du contenu festif cette année, par exemple, sur ma chaîne, j'aimerais faire une recette pompette cette année. Puis des trucs comme ça. Mais il y aura pas nécessairement genre une vidéo à chaque jour ou deux jours ou de quoi de même. Je vais mettre le petit creamer comme ça de chez Starbucks au macchiato au caramel. Je l'aime vraiment. Je sais pas ça va être quoi la fréquence. Je vais essayer de filmer plus. Mais je peux pas rien vous garantir, tu sais, que je vais filmer X nombre de vidéos.
Je vais quand même appeler ça le Vlogmas cette année. Tu sais, toutes les vidéos qui vont dans le mois de décembre, évidemment, je vais appeler ça le Vlogmas. Fait que c'est ça. Je crois que vous êtes pas trop déçus. Je vais quand même créer beaucoup de contenu des fêtes. Vous savez que c'est ma période préférée de l'année. Mais il y aura pas de Vlogmas en tant que tel. Donc, voilà. C'était le petit talk du jour. Je vais peut-être essayer de le faire, peut-être sur TikTok. J'y songe, je verrai. Mais l'année passée, j'avais fait le Vlogvember. Fait que j'avais comme filmé tous les jours pendant le mois de novembre en faisant des voiceovers. Le contenu voiceover, c'est moins mon genre. J'aime mieux parler à la caméra directement, même sur TikTok. Fait que peut-être que je vais le faire pendant le mois de décembre. Tu sais, c'est pas pareil, tu sais. Vlogger sur TikTok puis vlogger sur YouTube, c'est pas pareil, tu sais. J'aime vraiment mieux sur YouTube, tu sais. J'ai 20 minutes à vous accorder, à vous parler, à vous jaser, tandis que c'est TikTok, c'est genre une minute et demie, tu sais. Bon, la gang, on est présentement en shooting pour la collection de Noël, comme je vous ai dit. Fait que je vais vous montrer un petit peu le behind the scenes derrière, juste le behind the scenes tout court. Fait que voilà, on a quand même une couple de trucs d'installer. Là, on vient de finir les product shots devant un mur blanc comme ça. Fait que c'est moi qui ai pris les photos. Ring light, plein d'affaires de même. On a aussi acheté des cartons de couleurs. Là, il y a M là-bas qui vient d'aller chercher quelque chose dans son char. Fait que c'est ça, on a pas mal d'affaires comme ça. Fait que c'est vraiment cool, puis on écoute la petite musique de Noël en même temps. On a comme un planning là avec tous les trucs que je pense que je vous l'avais montré ça. En fait, je suis pas sûr, mais avec comme toute l'horaire de la journée, qu'est-ce qu'on veut. Puis ouais, fait que c'est pas mal ça, ça va quand même bien. Je pense pas que ça va être si long que ça. L'autre fois, ça avait été vraiment plus long, mais là, en dedans, c'est le fun. On a comme le sapin, on a genre des trucs pour comme, genre avoir des props et tout. Fait que ça va vraiment bien, on est pas mal content. Puis on continue ça, là, on va aller shooter dehors, c'est cool parce qu'il neige. Fait que ça va être parfait pour du bon contenu des fêtes. C'est beau! Je trouve qu'il y a trop un gros trou là versus là. Comment tu vas? Ça va super bien. On commence à avoir faim là. Ouais, on commence à chialer. Puis quand on commence à chialer, être comme impatient là. On s'en va chier. On s'en va chier. Oui, c'est vrai qu'on s'en va chier. Non. Mais c'est cute, check it out. Hello tout le monde. Oups. On voit-tu? Un peu, ouais. Allez, M. Yo. Ça va? Claqué. Ouais, on est fatigué un peu. Fait qu'on est, je sais pas trop ce que vous avez vu dans ce vlog-ci, mais là, on est en pause dîner. Il est quand même 1h15, fait qu'il est quand même tard pour une pause dîner. On a fini parce un peu les affaires. La bosse, c'était chiante en tabac. Ouais, la bosse, c'est chiante, là. elle voulait même pas me laisser aller dîner, genre. Fait que là, on est au McDo comme tous les jours de ma vie. J'en ai mangé hier soir. C'est vrai? Ouais. Mais là, t'aurais-tu mieux aimé qu'on mange? Non, moi, ça me va vraiment bien manger du McDo tout le temps. Okay. Moi, j'accumule les points avec l'application. Ok, fait faut que je dise ce que t'as là, parce que comment ça fait? Non, mais t'es pas obligé de prendre mes points. Aigre douce, puis le breuvage, ça va être un 7-Up. Il va y avoir un trio junior au poulet avec un cheeseburger. La girlie, elle pensait qu'on avait 3 trios. 6 croquettes. Hello, vlog! J'espère que vous allez bien. On s'en va déjeuner. Moi et Kevin au Sauge, qui est un restaurant vegan à Sherbrooke. On est en retard d'habitude, comme Kevin est dans l'équation. Donc, je vous laisse Kevin parce que moi, j'ai des choses à apporter. Bonjour tout le monde! Donc, on est vendredi matin, ce matin. Hier, je suis allé au 5 à 8. Je vous ai pas filmé, mais c'était bien fun. Non, c'était 5 à 11 hier. Fred est venu, mais n'est jamais fini par rentrer. Faut savoir que les 5 à 11 à l'université de Sherbrooke, c'est comme une denrée rare pour réussir à rentrer. Nous, on est arrivé vers 5h45, puis on y avait comme pas de fil, puis on est arrivé 4h, 6h. Puis en mode fil de 2h30, puis c'est pas de l'exagération. Fait qu'il a jamais fini par rentrer. Mais c'était une belle soirée quand même. Puis on a eu bien du plaisir. Je suis revenu pas trop tard. Il était peut-être 10h30. Fait que voilà. On s'est déjeuné ce matin au Sauge, qui est un resto. C'est végé ou vegan? Vegan. Fait qu'il y a pas de lait, mettons. Non. Fait que si je veux qu'avec glacé, ça va être qu'avec glacé, pas de lait. J'aime pas ça. Aux amandes, au soya. J'ai jamais bu de la soya. Bref, fait que c'est ça. Regardez, Fred, il a mis son petit look de avec sa petite tuque comme ça, ici en noir. Joy. Puis moi, j'étais habillé en couleur, en mode contraste. Puis j'ai mis mon beau cardigan orange que Fred trouve laid. On a reçu nos drinks. T'as pris quoi, Fred? Un matcha, lait d'avoine, purée de rice. J'ai pris un latte glacé. J'ai pris le club et les patates. Toi, t'as pris quoi, la poutine? J'ai pris la poutine déjeuner avec du chicken, mais qui est pas du chicken. C'est une pelote de champignons, mais ça vous grand. Bon matin tout le monde, on est lundi matin. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine, la gang. Je suis en train de me faire mon petit café glacé. Donc, à tous les lundis matin, j'ai un meeting avec M, donc notre petit meeting du matin de hebdomadaire pour comme qu'on parle de la semaine et tout. Puis là, on a shooté la collection de Noël, comme vous avez vu, la semaine passée. Fait que j'ai comme édité quelques contenus, des vidéos et tout pour Café Balade.
puis je vais éditer un petit peu des trucs, puis après ça, j'ai mon meeting à 9h30 avec elle, puis j'ai un cours tantôt. Donc j'ai mon café à la main, je vais m'installer sur mon divan. Là, j'aime tellement ce travail dans mon salon, mais j'ai tout le temps aimé ce travail dans mon salon parce qu'il y a comme plus de lumière puis tout. Fait qu'avec mon divan, puis la vue de mon sapin. Fait qu'on va commencer à work là-dessus avec la vue du sapin. Bon la gang, je vais me faire à dîner. Je vais genre faire un petit sandwich déjeuner. Je suis allé chez mes parents hier, puis j'ai ramené de la bouffe. À chaque fois que je vais chez mes parents, je ramène de la bouffe. Je vais vous faire un haul d'épicerie de ce que j'ai ramené. Quand j'étais chez mes parents, je mangeais souvent des sandwichs comme ça avec ce pain-là. Puis là, il y en avait. Fait que je vais en garder un pour mon lunch de demain. Puis je vais en manger un live parce que j'adore ça. J'ai des petits pains de ciabatta comme ça. J'ai ramené du riz comme ça. J'adore ça. Là. Je trouve ça tellement pratique. C'est du riz que tu mets dans le micro-ondes puis c'est prêt. De Hong Kong au Ben. Ensuite, je me suis dit que j'allais voler ça chez mes parents. Ben, voler. Non, mes parents, ça les dérange pas. Là. Ils étaient là. Puis ils ont approuvé des croquettes de poulet comme ça. Parce qu'il y avait deux boîtes. J'étais comme yo. S'ils ont deux boîtes, je vais en prendre une. Et une pizza comme ça congelée. Fait que pas super santé tout ça. Mais hyper pratique quand on n'a pas trop le temps. Ok, on goûte en live. Ça a pas l'air si bon que ça. Mais je pense que ça va être pas super. Le pain aurait pu être plus cuit, mais pas bien grave. Ce burger-là est quand même en mode esprit des fêtes. On l'a quand même décoré pour Noël. Fait que je vais vous parler d'une nouvelle bougie que j'ai achetée au Winners cette semaine. La semaine passée, je pense. J'achète vraiment souvent mes bougies là-bas au Bath & Body Works parce que je trouve que les bougies du Winners sont. Tu sais, j'en ai ici à Sherbrooke. C'est pas si cher pis ils sentent bonnes. Moi, j'adore la marque Sand & Fog. Je pense que c'est quand même une marque vraiment connue au Winners. Puis elle coûtait juste 12,99 puis je la trouve vraiment belle. Il l'avait en blanche. Puis genre, je voulais pas l'acheter parce que je la trouvais moins belle en blanche. Je trouvais que ça fitait plus genre dans le décor, tu sais, quand même. Mais, finalement, je l'ai trouvé en rouge. Puis ah, ça sent tellement bonne. Moi, je suis un grand fan d'odeur de sapin. Ma mère aussi, là, on est vraiment des tripes de sapin. Puis celle-là, c'est pain d'hiver. Fait que Winter Pine, elle sent genre le sapin de Noël. Oh! Pour moi, il n'y a aucune odeur de Noël qui est meilleure que sapin de Noël. Genre, ça sent tellement bon. Ça sent genre la forêt. Ah, oh, je l'aime vraiment. Allumer cette bonne bougie-là pour que ça sente un peu bon. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis très occupé ces temps-ci. Oh. J'ai pas le temps j'ai pas le temps d'être une star du web. Mais tout ça pour dire que là, on s'en va manger au restaurant. On est lundi soir. On fait le foufou. On s'est dit, on va aller manger au restaurant. Parce que la mère a fait le baiser du bouilli. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du bouilli, c'est ma phobie. On va instaurer une photo à l'instant. C'est la phobie à moi africaine. C'est de la viande avec des légumes pas bons. Ce que j'haïs, c'est que c'est dans la mijoteuse. Puis que c'est mou. Moi, non, c'est... moi j'haïs ça tout court. Ben c'est ça. Que ce soit dans un chaudron, une mijoteuse, une plaque, peu importe. Non, dans la poêle, c'est moins pire. Chez nous, on appelait ça de la fricassée. Bref, petite anecdote. Quand ma mère, je sais que ma mère va passer par là. Mais quand je revenais de l'école, puis il y avait. L'estime mijoteuse sur le four. J'avais automatiquement plus faim. Fait que ouais, c'est ça. Fait que trop moi, je n'ai jamais refait depuis. Donc ma mère, elle m'a texté, on mange du bouilli ce soir. J'ai dit, parfait, je vais aller super avec elle. Fait qu'il m'a appelé, puis moi, je suis vraiment une bonne influence. T'sais. Parce que moi, en mode girl mat, tu sais, mettons, j'ai de la bouffe ici, mais genre là, je la mange pas live. Tu sais, ça me coûte moins cher mon resto parce que ma bouffe est pas gaspillée. Si tu comprends, ça va me durer plus longtemps. C'est le girl mat le moins convaincant que j'ai entendu. Ben oui, ouais. Bah, it's okay. Ben, c'est parce que tu t'habites chez tes parents, puis t'as me rendu des Pokéballs pour dîner. On t'aime, maman. Il est juste jaloux, Kev, parce qu'il y en a pas. La grande dépense. Shogun Sushi, un lundi soir, ça va nous coûter 40$. Mais comme on dit, one life for life. Bon, hello guys. Bon, je suis de retour à mon spa avec Fred. C'était pas prévu ce petit peu-là, comme je vous avais dit. Je pensais vraiment passer la soirée toute seule. Puis, relaxant, on n'était pas nécessairement censé se voir, moi, puis Fred. Mais là, finalement, c'est ça. On est allé manger au Shogun. J'aime ça, ces affaires-là, comme improviser des petites dates comme ça. Je pense que, tu sais, on habite quand même proche. Moi, peut-être, là, les deux à Sherbrooke. Mais, je sais pas, j'aime tout le temps ça, passer du temps avec lui, puis tout. C'était un peu qu'Etienne. Là, moi, je vais continuer à travailler pour M. J'ai l'impression que je faisais depuis le début de la journée. Pour elle, ça paraît pas, mais créer des publications, créer des posts, puis tout, pour des marques, c'est tellement long, là. Genre là, c'est surtout l'intro du Vlogmas qui me prend beaucoup de temps, mais il l'a aussi en déclinaison, genre Reel pour Café Balade. Fait que, tu sais, ça demande, genre, en tout cas, c'est tellement long. Fait que, voilà, sur ce, petite gorgée d'eau, je suis assoiffé. On se met à travailler, puis on s'en parle sûrement tantôt. Bon la gang, hey, je vais venir finir la vidéo ici, je suis complètement brûlé. Bon le reste du clip il est genre fucking griché là, j'ai mon micro a vraiment un problème, les caméras ont un problème, pas qu'on n'entend rien. Fait que je vais venir vous finir la vidéo en bon terme. Merci d'avoir écouté la gang, on se retrouve super bientôt dans un prochain vlog, bye bye. We can be friends if you wanna, we can just talk if you wanna.